suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Je suis heureuse car Jésus m'a sauvée. Son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Bonjour, on est sur Cup TV dans les interviews. On a la chance avec nous d'avoir Itia Pierre-Louis. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci, merci à vous. Comment vas-tu? Ça va. Ça va? Ça va. J'ai vu que tu étais très active il y a 2 jours, tu étais à l'Olympia. Oui, pour l'occasion de... Enfin, c'est au profit de la recherche pour le cancer du pancréas. Donc, il y avait beaucoup de personnalités comme Julie Zenati, Grégoire, Emmanuel Moir, il y avait Patrick Bruel. Donc, c'était bien. Donc, j'ai eu l'occasion de chanter avec Max Zita, Gospel Voices. Et c'était vraiment génial. Surtout, c'était pour, c'est pour une belle cause. Donc, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, ça fait depuis l'âge de 6 ans que tu es dans la musique, de tes 6 ans, pas il y a 6 ans, de tes 6 ans. De mes 6 ans, oui, oui. Ça a commencé, est-ce qu'on peut parler de Papou? Oui. oui. Alors, j'allais à l'église avec, avec mon père. Et donc j'ai intégré la chorale de l'église protestante. Et donc j'ai continué à chanter avec... c'était l'école du dimanche. Et donc, bien plus tard, j'ai intégré le conservatoire pour étudier le solfège et la flûte traversière. Et bien plus tard encore, j'ai intégré des groupes de gospel, comme Gospel and Life Harmony, Gospel pour 100 voix, Gospel Forever, Gospel for All, Gospel Chords, et plein d'autres qui m'ont permis, puisque je voulais vocalement progresser, quoi, puisque je ne me sentais pas encore vraiment au point. Donc, je voulais intégrer ces chorales pour vraiment m'asseoir au niveau vocal et au niveau scénique aussi, puisqu'il faut quand même être assez à l'aise, quoi. Ça t'a permis de monter ta propre chorale, c'est ça? Oui, j'ai monté en 2006 ma petite formation, Jazz Gospel. On est 9 chanteurs, 3, on peut être 3 aussi, tout dépend après de ce que le client me demande. Donc, je peux réduire la formation ou on peut être plus nombreux aussi. Tu as participé à plein de concerts. Tu as été en duo avec plein d'artistes. Sinclair? Alors, j'ai fait ses chœurs. C'était aux Victoires de la Musique sur France 2. Donc, il avait sorti un album et donc j'ai assuré ses chœurs, en fait. Avec, on n'était pas beaucoup. Donc, c'était avec les Chérubins. Donc on était une dizaine à peu près, donc on m'a appelé pour assurer ses chœurs. J'ai fait les chœurs de Dionys Dumisson aussi. Elle est en duo avec François Feldman, le tube qu'elle avait fait en 91. Donc elle avait sorti un album, donc j'ai assuré ses chœurs aussi, c'était sur France 2. Et j'ai fait les chœurs de Jane Monson, elle avait sorti un album aussi, j'ai assuré ses chœurs, c'était sur France 2 aussi. C'était une belle expérience. Tu as participé en 2003 aux Grandes Voix, c'est ça? Alors en fait, à l'époque, je faisais partie de Gospel pour 100 voix, et Gospel pour 100 voix avait sorti un album. Et donc on devait promotionner l'album, donc c'était dans l'émission Les Plus Grandes Voix. Donc il y avait Lionel Richie, il y avait Maria Carré, et Gospel pour 100 voix, donc on a promotionné cet album, donc c'était aussi une belle expérience, donc on a pu rencontrer ces personnes, on était très contents, et voilà quoi, c'était vraiment un moment de pur bonheur, parce que voir des personnes, enfin des légendes vivantes, oui. Comme Lionel Richie et Maria Carré, quoi, c'est pas tous les jours, enfin pour moi. Oui. Tu as pu développer ta carrière sur l'international? Non. Pas encore. Bon, j'ai eu l'occasion de chanter au Portugal ou en Belgique ou en Italie, mais en faisant des chœurs. J'ai fait les chœurs de Craig Adams en décembre en Sicile et à Rome. J'avais été chanter au Portugal aussi avec Gospel pour 100 voix. Hein. C'était pour le concert Gospel pour 100 voix à Lisbonne. Mais je veux dire, en solo, non, pas encore. J'aimerais bien. J'espère que ça va venir. Donc, on fait un petit appel au cas où.
Donc aujourd'hui, tu sors Jésus m'a sauvé. Un single, en fait. Un single digital. Et donc, il est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement avec son clip. Et donc, c'est assez bien reçu, je vais dire, dans l'ensemble. Ça va. Assez bien reçu, je peux dire. Ça va. Parce que pour un chant qui parle de Dieu, quoi, surtout que j'en parle ouvertement, c'est pas de manière cachée, on va dire. Donc ça va, les personnes me reçoivent assez bien. Ça va, ça aurait pu être pire, puisqu'il y en a qui, dès qu'on parle de Dieu, il y en a qui prennent comme un rappel à l'ordre, alors que ce n'est pas un rappel à l'ordre, c'est mon témoignage, je raconte ce qui m'est, on va dire, ce qui m'est arrivé, quoi, et ce que je vis, ce que j'ai vécu avec Dieu, et ce que je vis toujours d'ailleurs avec Dieu. Donc c'est un témoignage, et j'espère que ça va emmener un peu de baume au cœur des personnes qui vont écouter, surtout. Bien sûr, c'est le partage de tes convictions, en fait. C'est absolument. Tu veux pas donner des leçons, tu veux juste partager exactement ce que tu ressens, que Dieu t'a touché. Quelles sont tes références musicales? Alors, il y en a beaucoup, hein. On a beaucoup, beaucoup, surtout dans la Caraïbe, Tania Saval, Orlan, Angie. J'étais contente, j'ai eu l'occasion de faire un duo avec Eric Virgal il y a un an. Et même quand il m'a téléphoné, j'ai cru que c'était une farce. J'ai pas cru. Le plus lointain souvenir, c'était qui le premier artiste qui t'a touchée? Alors, quand j'étais petite, je suis toujours fan d'ailleurs de Kassav. Oui. Et j'ai eu l'occasion de faire leur première partie en 2003. Oui. Et j'étais terrorisée, j'étais terrifiée. Parce que je me suis mise une pression aussi toute seule, faire la première partie d'un grand groupe qui remplisse les salles dans le monde entier à guichet fermé. Donc je me suis mise une pression horrible. Et pour moi, c'était pas vrai, c'était pas possible. Donc en fait, à l'époque, je chantais avec un groupe de variété. C'est un groupe d'Air France, en fait, et donc ils ont appris qu'ils allaient faire la première partie Kassav, donc ils m'ont invitée en tant que chanteuse. Donc j'ai chanté avec eux, et c'était vraiment pour moi le rêve inaccessible. Donc j'étais vraiment contente, quoi. C'était en quelle année? C'était en 2003. 2003. Mmh. C'est quoi ton instrument? Alors, flûte traversière, c'est mon tout premier bébé. Oui. Bon, après, le piano, c'est quelques accords. Hein. Je ne suis pas pianiste, non. La guitare, pareil, quelques accords. Mais mon premier bébé, premier chouchou, flûte traversière. Et deuxième, ta voix. Oui. Ta voix, on va dire. Oui. Alors ça, c'est depuis que je suis née, on va dire. Donc. Si tu avais un rêve, ça serait quoi? Dans la musique, dans ta profession? Ça serait quoi? Alors, j'aimerais bien parler de Dieu dans le monde entier, aux couleurs du pays, puisque Jésus m'a sauvé, c'est aux couleurs du pays. Oui. Donc, j'aimerais bien pouvoir parler de Dieu le plus souvent, enfin, assez souvent, quoi. Oui. Dans le monde entier, j'aimerais bien parler de Dieu de cette façon-là. Mm-hmm. J'aimerais bien. Ton premier concert, ça a été quand? Premier concert solo ou celui qui t'a le plus touché, ou peut-être parce que t'as fait plein de concerts, t'as fait des duos, t'as fait des chœurs, t'as participé à des émissions. C'est lequel tu pourrais dire, voilà, celui-là, une anecdote sur un de tes concerts? Je garde un bon souvenir de tous, hein, mais il y a un qui m'avait touchée. J'avais été faire un showcase, et alors le thème c'était en temps longtemps. Alors tout le monde est habillé de manière traditionnelle, avec les objets tout traditionnels, Martinique, Guadeloupe. Et il y a quelqu'un qui est venu dans mes bras, enfin, en pleurant pour me dire qu'il a été touché. Ça m'a fait plaisir, puisque c'est mon but. De parler de Dieu pour que les personnes se raccrochent à ça, puisque la vie, avec tout ce qui se passe dans les médias, ça ne va pas trop. Donc j'essaie de dire aux personnes que rien n'est fini, que Dieu est là. Et donc la personne est vraiment, enfin, on va dire, est venue vers moi, quoi, et en coulisses, et il m'a dit « ton chant m'a touchée, ça m'a fait plaisir, merci ». Donc de voir ça et d'entendre ça, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. On se dit que bon, ben, on ne travaille pas forcément pour rien, quoi. Oui.
Alors donc, voilà, j'aurais aimé voir ça plus souvent. Tu as fait un beau vol pour Air Caraïbes. Oui, oui, oui. Alors c'était une superbe expérience. En fait, on était 10 pour la Martinique et 10 pour la Guadeloupe. En fait, le 12 décembre 2003, c'était la première fois que Air Caraïbes volait vers Martinique et Guadeloupe. Donc le 12 décembre 2013, ils ont voulu fêter ça avec des chanteurs de gospel. C'était une superbe, superbe expérience. En fait, 3 heures après le décollage, c'était comme un flash mob en fait. Donc on a surgi à la tête de l'avion, jusqu'en queue et tout. Ils étaient tous surpris, il y a eu une même tapotée. Excusez-moi, j'ai cru que c'était un attentat, parce qu'elle nous a vu débarquer comme ça. Et c'était vraiment bien. Donc on a chanté une dizaine de chants, ce qui n'est pas évident en altitude. L'air ouais. n'est pas pareil, donc c'était assez difficile, surtout pour gospel, niveau gospel, vocalement, donc ça chante. Donc... fallait donner, mais c'était vraiment une belle expérience. Le repas, avec tout était impeccable, quoi. Tu as participé à plusieurs compiles où tu as fait des chœurs et tes chansons parues sur les compiles. Oui, alors la compile Tequila, produite par Steve Pierre-Louis, Flèche-Can aussi, où j'ai pu interpréter une Begin, c'était Domaqué. Il y avait Kali, il y avait Christiane Valéjo sur la compile, Tempo Color aussi, où j'ai pu interpréter N'aie pas peur. Et j'ai fait les chœurs de Martine Carrière sur son premier album, Entre Dieu et moi. J'ai fait les chœurs de Jean-Marie Ragal, T'écris un roman, Appelle-moi, Moi en vivouaire, Cyrielle, Ça prend moins trop de temps, C'est notre histoire. J'ai fait les chœurs d'Edouard Sével, j'ai fait un duo avec lui, à Vert. J'ai fait quoi d'autre quoi J'ai cru comprendre que tu avais loupé un duo avec Céline Dion, ou les chœurs de Céline Dion. Les chœurs, oui. Alors, duo, je sais pas. On aimerait si ça va venir. On te le souhaite. Alors oui, Céline Dion, oui, oh là là. En fait, j'avais répété avec... Il y avait Martine Carrière hein, dans les chœurs. Elle a fait les chœurs de Céline Dion. Il y avait Marie-Céline Cronier. Et moi, j'ai répété aussi pour faire les chœurs. Et ma fille, elle était petite à l'époque. Et donc au moment où on avait rendez-vous dans les studios de France 2. Et donc, elle était malade. Et j'ai téléphoné au chef de chœur. J'ai dit, je suis désolée, je peux pas. J'étais dégoûtée. Alors, j'espère qu'un autre jour... Et j'ai pas pu faire, j'ai juste fait la répète avec Céline Dion. Mais officiellement, non, je n'ai pas été choriste de Céline Dion. Dommage. On n'a pas parlé de là où tu venais. En fait, bon, t'es née à Paris, mm-hmm. mais quelles sont tes origines? Alors, je suis originaire de la Martinique, mais c'est vrai que j'ai grandi à Paris, en région parisienne. Et donc, d'où m'est venue aussi l'idée de faire Jésus m'a sauvé en begin jazz, puisqu'en fait, je suis de formation classique. J'ai fait beaucoup de musique classique, mais il y avait comme un manque, parce que quand j'allais en Martinique, donc je découvrais tout ce qui est begin, Gouka, Bellet. Donc, je suis tombée amoureuse, on va dire, de la musique de chez nous, si je peux dire. Et donc, je m'étais promis que j'allais faire quelque chose aux couleurs du pays. C'est pas que je n'aime pas le classique, ou moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est vrai que j'avais une préférence au chanter soit en créole ou alors rythmé begin, jazz, goka. Et donc voilà, enfin d'où m'est venue l'idée de faire Jésus m'a sauvé en begin. Mm-hmm. Très bien. Mm-hmm. On te remercie beaucoup de cette visite avec mm-hmm. nous chez Cup TV. Et c'est moi qui vous remercie. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Eh bien, beaucoup de témoignages dans le Seigneur, le plus possible. Mm-hmm. Mm-hmm. Continuer à témoigner l'amour de Dieu. Merci beaucoup. Mm-hmm. Merci, tu es une femme riche de cœur. Mm-hmm. Merci d'être venue parmi nous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.